Yo tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça a plutôt bien les amis. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online version 1.17. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à wallbrush un véhicule tel qu'il soit, c'est-à-dire une entity, une ADR, un camion, tous les véhicules de GTA Online. Je vais vous apprendre à les wallbrush très facilement. Vous allez voir que ce glitch est très rapide et très simple à réaliser. Donc pour réaliser ce petit glitch, il vous faudra avoir deux garages dans le même bâtiment. Prenez exemple comme moi pour l'Eclipse Tower, moi j'ai Eclipse Tower numéro 31 et numéro 3. Il vous faudra tout simplement avoir une voiture et deux appartements qui sont situés dans le même bâtiment. Une fois que vous avez votre voiture et que vous avez vos appartements dans le même bâtiment, vous allez devoir faire comme moi dans la vidéo, c'est-à-dire vous mettre sur le petit cercle bleu, sortir de votre voiture et marcher comme moi dans le sens de votre voiture pendant 2 secondes. Une fois que vous avez marché pendant 2 secondes dans le sens de votre voiture vers le cercle bleu, vous allez relâcher le joystick et votre personnage va marcher automatiquement comme vous le remarquerez vers votre voiture. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, mais au bout d'une vingtaine de secondes de marche, votre personnage va sonner à la porte du bâtiment. Il vous suffira tout simplement de faire B sur Xbox et rond sur PS3 pour refuser de rentrer dans un des garages et vous allez voir que vous aurez bel et bien wallbrush le véhicule, que ce soit une entity, une ADR ou encore bien un camion comme je le disais. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez me le faire savoir, en lâchant un like et un commentaire. Si tu es humain, tu es un homme ou une femme, tu peux partager la vidéo, ça me fera plaisir et ça m'aide à progresser. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Et pour me suivre dans la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. A la prochaine, ciao tout le monde, peace, ciao les gamers. Si tu veux voir d'autres vidéos, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à droite du personnage. Et en parlant du personnage, si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer dessus pour t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est un ordre.